Salut, c'est Mouchou et bienvenue au Mouchou Conseil de avant anniversaire. Car oui, c'est toujours bien de savoir des choses avant un important événement, parce que vous savez qu'un anniversaire c'est une fois par an, oui une fois, juste une seule fois. Et donc forcément c'est toujours bien de se préparer un petit peu avant, surtout qu'on sait qu'il va y avoir de belles choses. Déjà, vous savez déjà qu'il va y avoir le gacha step up, c'est-à-dire un gacha multiple à plusieurs niveaux de paliers. Donc en fait, on va dépenser des différentes orbes à différents tarifs, mais qui permettront d'avoir des multis très sympathiques. Et sûrement donc des personnages qu'on attend. Peut-être guerre sanglante, on ne sait pas encore. Ça laisse planer le doute dans l'air, comme on dit. Et bien sûr, le fameux personnage qui est cité à fait. Enfin, supervisé plutôt. Et donc, ce troisième personnage que... Qu'est-ce que ça va être? On sait pas, un nu qui aura, peut-être pas, peut-être, voilà. Bon. Sinon, pour revenir au côté conseil, le base. Et après, on va s'attarder plus à un point où là, je pense que une certaine aide sera quand même plaisante à avoir. Donc tout d'abord, faut savoir que, bah, tout simplement, il faut des orbes. Parce que pour pouvoir faire le step-up, il faut pouvoir écho. Donc généralement, je vous dirais, on va dire, d'expérience, et on fait les autres, il vous faudra environ, on va dire, entre 1500, enfin 1200, 1500 orbes minimum, j'avais dit minimum, parce qu'il serait bien d'avoir plus quand même. Et après, sinon aussi, ce qui est pas mal aussi, ben, ça serait d'avoir 2000. Par exemple, moi dans mon cas, je vais essayer d'atteindre les 2000 au moins pour être tranquille au minimum. Parce que moins que 2000, vous faites tout step up, même les solos à côté, parce qu'il y a des solos généralement qui sont à côté. Et en plus, si jamais on rate le dernier, ben, on peut continuer encore derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est demander de la réflexion et de la technique. Et... surtout de l'économie et du savoir self-control, parce que bien évidemment il y a des gachas actuels qui sont plaisants. Donc si vous avez déjà dépassé ce stade de 2000 orbes, bah, faites-vous un petit plaisir, on va dire, sur des gachas actuels si vous avez un personnage qui vous intéresse. Sinon après, bah, pour revenir au côté, on va dire, celui qui va prendre, on va dire, pas la tête, mais dirons-nous la plus grande réflexion, ça va être le gacha affinité. Oui, c'est donc sur ce point-là en fait que je vais m'attarder un petit peu plus, parce que ça mérite, on va dire, une certaine... parce qu'on s'est dit, oh, je veux tel ou tel personnage, mais il y a des choses à savoir avoir avant, des choses à prendre en compte, et des stratégies peut-être à peaufiner. Je vais vous montrer tout ça. Comme dit précédemment, il faut des orbes. Et donc, les orbes, faut les trouver. Donc, bien évidemment, faire monter sa personnage, les maxer, faire monter les paliers, c'est déjà la base principale. Vous avez aussi, bien sûr, on rappelle les ordres, puisque dans les ordres libres, par exemple, vous avez quand même pas mal de orbes, justement, à faire tomber, quoi. Vous voyez, donc vous voyez, par exemple, moi, on va dire, j'ai fait une bonne réserve derrière, justement pour anticiper le coup, quoi. Mais voilà, quoi, donc derrière, vous aussi, vous allez avoir des choses aussi, où vous pouvez seulement avoir encore gagné des orbes, quoi. Faut penser aussi qu'au niveau des battles, enfin, échange médailles, plus précisément, vous avez aussi les personnages 5 étoiles et 4 étoiles, hein, donc si vous les avez pas, n'hésitez pas à les prendre, si vous avez des médailles aussi, bien évidemment. Puisque faut savoir que, bon, bien évidemment, les 5 étoiles reviennent, et donc ils sont assez limités. Mais les 4 étoiles, il y en a quand même beaucoup, quoi. Il y a beaucoup de 4 étoiles, on va dire, forcément, que vous n'avez pas là-dedans, parce que ce sont des 4 étoiles qui ne sont pas là, qui n'ont jamais été mis en event. Donc, du coup, forcément, des orbes à se faire, quoi. Donc, ça, pensez bien de votre côté à ne pas oublier ce petit côté-là, quoi. Après, bien évidemment, bah, vous pouvez bien aussi acheter les orbes. Le grand classique, avec des packs ou directement les orbes, mais bon. Chacun son truc, comme on dit, chacun son truc. Pensez bien aussi à vérifier au niveau côté histoire si vous avez bien tout fait à 100%, parce que des fois ça peut arriver qu'on oublie. Donc l'air de rien, on va dire, n'hésitez pas à aller checker, on va dire, pour être sûr que tout est marqué, chapitre 1, chapitre 2, que vous êtes à 100%, 100%. Simplement d'aller dans l'arc, comme ça du coup vous savez, on va dire, directement, ben, où est-ce que vous en êtes, quoi. Donc voilà, là c'est les petites manières, enfin les trucs de base à vérifier. Voir si vous avez fait ou pas encore fait pour pouvoir récolter, on va dire, de nouveau des orbes et être fin prêt pour avoir au moins 1200 à 1500 orbes pour être tranquille, un minimum, j'ai bien dit un minimum. Donc là vous voyez, j'ai effectivement les 1500 orbes de minimum à avoir, mais le mieux c'est quand même d'avoir les 2000, parce qu'on sait jamais, comme les step up au départ, bien évidemment c'est le gratuit, le premier, la première multi, et ensuite on paye entre, je crois c'est 50 le deuxième, et ensuite c'est 100, 150, 200, 250, et après à la fin 250 tout le temps. Voilà, quoi. Donc c'est toujours bien d'avoir une petite réserve au cas où, en sachant qu'aussi que je pense qu'ils vont sûrement faire le même principe que l'année dernière, avoir par exemple un personnage à côté en solerie, en loterie seule, qu'on a par exemple gratuite chaque jour, enfin une gratuite chaque jour en single, et après on paye en palier aussi
pour pouvoir continuer à essayer d'avoir ce personnage spécial. Donc là, ce sera le personnage mystère des 3 ans. Semblerait-il qu'il y aura ou une version fusionnée avec le Goku de on ne sait pas qui. Voilà, donc à vérifier, à voir tout ça. Donc le personnage sera sûrement très très bon, logiquement. Mais bon, voilà, donc du coup, il faut des orbes. Donc voilà, je vais donner les pistes pour pouvoir les avoir. Ce sera déjà votre première mission à faire pour être prêt pour cet anniversaire. Autre événement majeur de cet anniversaire sera le Gacha Affinité. Oui, ce fameux Gacha où on a une multi gratuite, où on peut avoir le choix entre 5 personnages pour avoir un, celui qu'on désire. Ce choix se fait par affinité, d'où son nom, forcément. Et donc, ça sera, on va dire, un autre parti qui sera assez, comment dire, prenant et qui va faire fuser vos neurones. Parce que ce choix, l'air de rien, est quand même un choix assez important. Puisque c'est pas tous les jours qu'on vous offre la possibilité de choisir entre plusieurs personnages et d'avoir un, celui que vous désirez. Donc, par rapport à ça, moi, j'ai des petits conseils à vous donner. Des orientations à vous faire réfléchir et à faire le bon choix pour pas avoir de regrets derrière. Par exemple, moi je vous dirais l'année dernière quand j'ai fait mon choix, je l'ai fait par le cœur, mais j'ai regretté derrière. Donc, à vous de voir. Puisque ce gacha c'est soit on tire par le cœur, soit on tire par la tactique. Ou la stratégie. À vous de voir qu'est-ce qui va primer le plus. Vous me direz logiquement le cœur. Mais vous avez vu le cœur, ce qui m'a fait, comme je l'ai dit. Nanao, j'en pleure encore. Mais bon, des choses qui arrivent. Donc moi, je vais vous montrer en fait les fiches que j'ai fait justement pour vous aider à faire le bon choix et ça sera beaucoup plus simple et au moins vous n'avez pas de regrets derrière. Donc vous allez voir ça. Donc pour vous aider à faire le bon choix pour ce gacha affinité, en fait, je vous ai proposé des petites fiches que je vous diffuserai après via les passerelles de Facebook et de Twitter. Comme ça, vous pourrez les consulter après la vidéo plus facilement. Donc en fait, tout simplement, ce choix. Pour moi, on va dire, si on ne le fait pas par le cœur, on va dire principalement, et plus on va dire en termes de stratégie pour pouvoir améliorer cette team et être plus performant, en fait, généralement, on va dire, il faut plutôt orienter vers le côté PVP, puisque c'est vrai qu'actuellement, on va dire, c'est plus le PVP qui demandera d'avoir des personnages et des links particuliers par rapport au PVE où on peut toujours s'en sortir, entre guillemets, bien évidemment, parce que c'est toujours bien d'avoir des bons personnages. Donc, je vous dirais le côté cœur et perso PVE qui vous intéresserait, gardez-le, on va dire, dans un coin de votre tête, car ça, on va dire, ça vous permettra en fait de faire la décision finale. Je vous explique. Donc par rapport à ça, en fait, donc en gardant ce petit coin dans votre tête, on va dire le choix va se faire de manière très simple. On va dire les personnages généralement se classent en fonction de leur rareté. Donc les personnages les plus rares sont lesquels? Bah les saisonniers. Et donc le plus simple, c'est en fait de choisir un personnage saisonnier pour pas avoir de regrets, parce qu'au moins on aura ce personnage qui est généralement shit par rapport au personnage standard. Et surtout, ben on va dire comme il arrive qu'une fois par an, entre guillemets, puisqu'on a remarqué que des fois il revenait, ben, par rapport à un personnage standard, badass, on sait très bien que lui il va revenir fréquemment. Donc mon grand conseil, c'est plutôt de s'orienter vers du côté personnage saisonnier. Après, il est vrai que, parce que là par exemple je vois par rapport à mes membres d'équipe de guilde, que lorsque vous avez déjà tous les personnages les plus badass des saisonniers, c'est vrai que ce qui vous restera à côté, ce serait en fait après d'optimiser votre choix vers un personnage soit pour le Link, donc avec un soul trait de dégâts subis, puisque vous savez que c'est une des bases maintenant pour le PVP, ou soit tout simplement d'orienter vers un personnage badass du PVP. Pareil, j'ai fait des fiches aussi pour ça. Donc déjà, je vais vous montrer les fiches que j'ai fait pour le côté personnage saisonnier. Donc là, vous voyez déjà pour le premier, on a les personnages saisonniers instincts. Donc vous voyez que j'ai classé en fait tout simplement par, on va dire, par cycle en quelque sorte. Donc on commence par le Noël Nouvel An, on démarre, on va dire, l'année comme ça. Et ensuite, on continue avec la Saint-Valentin et le White Day, parce que ce sont des dates qui se rapprochent. Suivant, on va dire, donc bien sûr avec le côté hiver qui passe derrière, et après on passe au printemps, du coup avec le parasol et le parapluie, puisqu'en fait ils ont différencié les noms, vous avez remarqué, par rapport aux années. Donc du coup après le printemps, bah, qu'est-ce qu'on a en l'été, hein? Bah oui. Donc plage et piscine. Oui. Donc piscine, je les ai mis, mais rappelez-vous, ils ne seront pas techniquement dans la loterie, enfin dans ce gacha affinité gratuit. Puisque en fait dans les notes qu'on avait lors de cette loterie piscine, il y avait marqué qu'ils arriveraient en août ou plus tard. Donc peut-être une autre loterie encore, on va dire, saisonnière, qui sortirait en plus au mois d'août. À checker, à vérifier tout ça, je vous dirai.
Et donc on termine bien évidemment par donc, la dernière saison, donc l'automne, l'Halloween. Où là on retrouve pas mal de personnages. Par exemple, vous voyez dans cette catégorie que j'ai mis instinct, bah là on voit qu'il y a une majorité du côté Saint-Valentin et White Day, et du côté Halloween. Donc à voir aussi, c'est vrai que là, pour vous aider aussi, on va dire, dans le côté des fiches, j'ai mis en premier les personnages qui me semblaient les plus badass par rapport aux autres, ou les plus utiles. Donc là c'est vrai que côté Noël, Nouvel An, il n'y avait pas trop le choix pour le côté instinct, donc... Voilà quoi, on n'a pas trop le choix, mais par exemple, voilà, côté Saint-Valentin pour le White Day, là on a le Stark. Stark il envoie par rapport aux autres, forcément. Parasol parapluie, bah oui, lui aussi il envoie, bah oui, Notra, il est pas déconné. Faut pas aussi le Kitaki, l'air de rien, il est quand même bien parce qu'il a un boost, il est pratique. Donc c'est toujours bien si on l'a, donc à voir. Évidemment, plage piscine avec la Nelly Boobs, bah, inimitable, et la Halloween avec Yoli Boobs. Faut pas lutter, une équipe comme ça, voilà quoi. Et donc voilà, donc après côté l'utilité, de ce qu'il peut y avoir, donc j'ai fait un déclassement derrière. Donc c'est vrai que vous verrez, du côté instinct c'est comme ça, du côté bien évidemment de connaissance, bon, j'ai fait un peu dans le même principe. Puisqu'on retrouve un petit les personnages. Donc, ce qui est marrant c'est qu'on remarque que Saint-Valentin aussi pareil, il y a encore pas mal de personnages. Mais bon, un peu plus équilibré du coup avec le Nouvel An et tout. Donc par rapport à ces fiches, ça vous donnera en fait une idée de quoi choisir. De quoi vous dire, est-ce que j'ai ces personnages là, est-ce que je les ai pas. Faire une tendance de, par rapport à tous les personnages badass de votre box, est-ce que ça correspond ou pas. Et donc du coup faire un choix, on va dire, plus vers une affinité que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses. Il y avait Nelly Boobs aussi qui était passé là. Et plein de personnages qui sont sympas quoi. Et donc à partir de ça, vous saurez directement votre préférence, si vous préférez aller d'un tel ou tel personnage, ou le lier, on va dire, à tel ou tel autre. Voilà, donc ça c'est une des possibilités pour vous aider à choisir le côté de l'affinité. Après, comme je vous ai dit, il y avait aussi le côté de choisir par rapport au côté du soul trait dégâts subis. Donc pareil, j'avais fait la petite fiche que vous voyez. Bah là en fait on va dire j'ai remis en fait tous les personnages avec soul trait dégâts subis existants pour l'instant dans le jeu. Là vous remarquez que j'ai mis une petite boule, donc une petite orbe pour certains personnages. En fait c'est juste pour indiquer qui sont les personnages à moins 20% de dégâts subis. Les autres sont forcément à moins 16%. Donc j'ai bien principalement mis les personnages 5, qui peuvent aller à 6 étoiles. Parce que forcément ils doivent aller en Link, donc pas d'intérêt pour les autres, c'est logique. Donc vous remarquez aussi que, ben l'air de rien, on a quand même pas mal de personnages en dégâts subis. On a beaucoup de personnages, surtout en technique quoi. Technique, ils en ont mis un bon paquet quoi, ils en ont mis 5 par rapport aux autres. Et ceux qui sont un peu délaissés, c'est la connaissance et la vitesse. A voir peut-être maintenant, c'est peut-être avec ce tableau qui vont peut-être se rattraper, hein, qui vont remettre d'autres personnages. Hein. Parce que c'est vrai que par exemple tout bête, en connaissance, on n'a toujours pas eu de personnage avec ce soul trait dégâts subis, moins 16% en version échange médaille. Eh ouais, l'air de rien. L'air de rien, on l'a pas encore. Donc peut-être qu'ils le feront. A voir. Après pour terminer, on va dire, donc pour ce choix en fait d'affinité, vous avez une autre possibilité aussi pour vous aider, comme je l'ai dit, c'est après, voilà, si vous avez déjà des lignes qu'il faut, bah, le personnage en question. Donc là, j'ai établi, on va dire, selon mon avis, l'avis aussi d'autres personnes que j'ai pris en compte, pour faire en fait un mix de tout. Et du coup, je vous ai fait un classement des personnages que je sens, qui me semblent les plus probants pour le PVP. Donc c'est une sorte de top 5 par affinité. Donc ça du coup, même par rapport à ça, vous pourrez vous dire, alors est-ce que j'ai ces personnages là, pas, et vous dire, donc dans cette couleur là je pêche, dans cette couleur là je pêche pas. Voilà. Donc voilà, bah, je vous ai fait un tour, on va dire un peu de préparation pour l'anniversaire qui est dans une semaine. Donc des orbes, si vous avez 2000 c'est mieux. Choix du gacha pour l'affinité. Gardez le cœur en vous, effectivement, mais pensez du côté stratégie pour pas regretter derrière de vous dire mince, ce personnage-là, il va revenir dans X temps, je l'aurai pas. Tristesse. En sachant que même si vous choisissez par rapport au côté jeu stratégique, n'empêche que le cœur va choisir derrière au final. Donc à voir. Donc aussi bien choisir par rapport au côté jeu personnage rare, donc les personnages orientés vers le personnage saisonnier en principal. Ou sinon s'orienter plutôt vers du côté PVP et donc choisir par rapport à des links de dégâts subis. Ou tout simplement avoir un badass du PVP que vous n'avez pas encore et qui irait très bien à votre team grâce au petit tableau pour vous faire un repère des personnages actuellement qui sont viables pour le PVP. Ça vous fera une base.
Donc voilà, si toutes ces informations vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, like à la vidéo, ça fera toujours plaisir. Et bien évidemment, toutes ces fiches, comme je vous ai dit, je les diffuserai très prochainement donc sur les passerelles de Facebook et de Twitter. En attendant, n'hésitez pas aussi à aller sur les pages, la page justement de Mouchou Toujours et de Twitter, parce qu'on va dire entre temps, je diffuserai tout ce qui passe, on va dire, en actualité, Bleach ou autre jeu. Vous pouvez me retrouver bien évidemment sur le groupe BBSSFR, comme d'habitude, hein, ça change pas d'habitude. Et bien évidemment, si vous pouvez faire des dons, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee. Ça ferait du bien, mes amis, ça ferait du bien, vous savez bien. Voilà, quoi. Donc, j'espère que vous êtes pas mal préparés. Voilà, comme vous avez vu, je me prépare, j'ai des orbes, j'ai encore des orbes à farmer. Je vous dis, j'ai pris mon risque la dernière fois à la poule, mais je regrette pas parce que là, mon Goku Take, je l'ai eu, quoi, le bonheur suprême, comme on dit, quoi. Et maintenant, j'attends de voir aussi ce que va donner ce nouveau personnage qu'ils nous ont promis de nous faire nous émerveiller, quoi. Donc, parce qu'à mon avis, il sera super shit, mais à quel point sera-t-il shit? Là est la question. Sur ces quelques mots, Mouchou vous dit bonne fin de préparation, bon courage pour le moment de l'événement, de l'anniversaire, bien évidemment, et Mouchou vous dit tchou.